taxi, s'il vous plaît. Ouais. Bon mec, j'ai du boulot. Ciao, mon pote. A plus. Vas-y, bon courage. Bonjour. Faut que je me rende à Lorient le plus vite possible, c'est une urgence. À Lorient? En Bretagne? C'est pas la porte à côté. Oui, je sais. Mais là, c'est les grèves et il n'y a pas de train avant 4 jours. Ah, mais ça nous fait 12 heures de route en voiture, facile. Et je sais que c'est long, mais je suis prête à payer le prix. Bon, allez, je vous en prie. Là. Et vous êtes le quatrième taxi à qui je demande. Je vous paye le retour, si vous voulez. Vous allez pouvoir vous débrouiller sans moi pendant 2 jours quand même. De toute façon, on s'appelle s'il y a un problème, d'accord? Allez, courage les filles. Ça va, vous êtes bien installée, madame? Je vous en prie, appelez-moi Armelle. D'ailleurs, je connais même pas votre prénom, vous appelez comment? Moi, c'est Moïse. Ça vous dérange pas qu'on sorte 2 minutes de l'autoroute? J'en peux plus, j'ai envie de fumer. Non, non, pas du tout. Si vous avez besoin, pas de soucis. Et du coup, c'est vos parents qui habitent là-bas? C'est ça l'urgence? Non. L'urgence, c'est l'amour de ma vie. On s'est loupé, on va dire. On n'a jamais pu vivre ensemble. Et maintenant, je sens qu'il est important que j'aille lui dire les choses. Ça va, la nuit pas trop longue? Si, mais j'ai l'habitude, j'ai bien survécu jusqu'ici. On est prêt au bloc? Oui, l'anesthésiste est en place. Le docteur Leloir est arrivé? Oui. On fait une craniotomie ici. L'hématome n'est pas trop étendu, on clipe rapidement les vaisseaux explosés, comme la dernière fois. On se retrouve en pré-op? Oui, j'arrive tout de suite. Désolée. Je suis incapable de ne pas faire de sieste l'après-midi. Ça doit être l'âge ou la digestion. Aucun problème. Par contre, moi aussi, je vais pas tarder à faire une petite pause cigarette. Encore ? Et donc, j'imagine qu'il est marié, lui, c'est ça ? C'est important. Elle, c'était une amie. On a grandi tous les trois. Lui et moi, on était fous amoureux. Puis quand j'ai décidé d'aller vivre à Marseille, ils se sont mis ensemble. Ça fait une quinzaine d'années qu'ils sont ensemble. Puis là, j'ai appris par une amie qu'ils avaient décidé de se marier. Le mariage, c'est demain. Et qu'est-ce qui vous dit qu'il n'est pas heureux avec cette femme? Mais il arrive un âge, les non-dits nous empêchent d'avancer. On vit tous les trois comme si de rien n'était, alors que leur histoire est entachée par la nôtre. Parce que vous êtes sûr qu'il pense toujours à vous? Je veux juste qu'il sache. Il n'aurait même pas à faire face. Je lui ai écrit une lettre. C'est tout bête d'ailleurs, parce que j'ai son numéro.
Et je pourrais juste lui envoyer un SMS. Son numéro, c'est mon numéro d'urgence. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai failli appeler, mais j'en suis incapable. Non, mais une lettre, c'est bien. Bientôt, là. Je vais le prévenir. Vous faites quoi, là? Ben, je l'appelle. Mais arrêtez! Vous allez foutre sa vie en l'air! C'est franchement égoïste, là! Non, mais vous ne parlez pas sur ce ton, là. Qu'est-ce qui vous arrive? Il appelle. Il appelle. Lâchez ça! Donnez-moi ce téléphone! Donnez-moi ce téléphone! Aller chercher le sac que les pompiers ont amené. Bien sûr. Merci. Elle va bien. Vous êtes de sa famille? C'est moi qui conduisais. Je n'ai pas pu la sauver. Elle avait ce sac avec elle. Je peux vous laisser un moment. Vous savez, il y a des mots qu'il faut dire aux gens qu'on aime avant qu'il soit trop tard. Alors vous me comprenez ?